uniquement dans le milieu de la danse, dans le milieu de l'événementiel. Voilà. Il faut dire que moi, j'ai toujours aimé danser, parce que ça a longtemps été pour moi... En fait, ça a été mon univers à moi. Pour moi, c'est très tôt, ça a été l'univers dans lequel j'arrivais à m'exprimer assez facilement. Donc, j'étais très timide à l'époque. Et même déjà jeune, je commençais par me tenir sur la pointe des pieds, par faire cet exercice-là, de rester le plus longtemps sur la pointe des pieds. Donc, chemin faisant, j'ai eu mon bac et je suis partie pour des études de droit à la base. Donc, j'ai commencé des études de droit et puis il fallait choisir une activité extrascolaire. Suite à laquelle j'ai vraiment essayé tout type de danse, moi. Carmen danse n'est pas à cataloguer dans un seul type de danse. J'ai fait du hip-hop, j'ai fait de la danse contemporaine, j'ai fait également du flamenco avant de tomber dans la spécialisation de la salsa, la bachata et la kizomba, les danses afro-contemporaines, également latines. L'école de danse est venue d'abord, en premier lieu, j'ai voulu contribuer, moi, en tant que togolaise, africaine, d'emmener en fait ma partition, c'est-à-dire arriver à jouer ma partition, celle d'un certain apport pour l'Afrique, pour mon pays aussi particulièrement, d'où le choix, le premier choix du Togo. Un apport avant tout technique, apport technique dans le milieu de la danse, dans mes spécialités. Et également un apport au niveau social. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait essentiellement, surtout dans l'événementiel, c'est quand même d'apporter un peu de joie dans ce quotidien assez stressant que vivent les Togolais. En tout cas, on a fait du chemin. Parce qu'aujourd'hui, Carmen Danse s'est installée depuis 3 ans. 3 ans de dur labeur, 3 ans de challenge constant. Parce qu'une fois qu'on a acheté un objectif, on fixe encore d'autres objectifs, on repousse les limites, etc. Donc aujourd'hui, Carmen Danse se porte bien, on va dire ça comme ça. Alors aujourd'hui, nous offrons des services adressés à tous. À tous, j'entends les femmes, les hommes, les enfants et les adultes. Donc on commence et pour les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 18 ans, on fait pour les ados également. Et ensuite on a des cours pour les adultes, ça part de la remise en forme, donc de la Zumba, de l'Afrobeat, jusqu'à les danses de couple, les danses détentes, les danses loisirs. Alors la difficulté, je pense, est de pouvoir transmettre avant tout la vision. La vision déjà au corps, parce qu'aujourd'hui on est une équipe de 10 personnes, aujourd'hui en comptant le staff, les hôtesses, les professeurs. Donc le challenge constant aussi, c'est de pouvoir à chaque fois donner la vision et de situer les gens par rapport au niveau où on se trouve dans la vision. Donc ça c'est la première difficulté. La deuxième difficulté vient pour arriver à mettre la danse dans les habitudes des Togolais. C'est-à-dire que quand on veut, au Togo, quand on veut se détendre, on ne pense pas en premier lieu à la danse. On pense à manger, à sortir, boire, on pense à la plage, mais la danse n'est pas pour les Togolais un moyen d'expression, de détente, de loisir. Voilà. Les autres, je sais pas trop ce que les autres pensent, mais je pense être vue de la façon qui soit. Je suis souriante, accueillante, exigeante, oui. C'est le trait de caractère qui revient le plus et tenace. Je pense qu'il y
y a deux messages. Il y a d'abord un message au niveau entrepreneurial, c'est de toujours croire en ses rêves, même si le parcours est long, de rester droit, de rester respectueux aussi à, dans le domaine dans lequel vous exercez, parce qu'en écrasant les autres, ça ne rime à rien, surtout avec la nouvelle génération d'entrepreneurs qu'on a. Je pense aussi qu'il faut, beaucoup de persévérance. Beaucoup de persévérance. Alors, je pense que les relations sont plutôt normales, agréables, cordiales. Déjà, quand je prends les professeurs qui viennent travailler ici, je pense qu'il y a une volonté, en fait, de bien faire qui, je pense, est commune à tous les personnes qui exercent dans ce métier ou dans ce domaine-là. Donc à ce moment-là, on ne peut que se joindre pour faire quelque chose de plus grand encore. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Je pense qu'il n'y a que des personnes qui veulent bien faire. Maintenant, le challenge, c'est d'arriver à s'entendre sur quelque chose pour pouvoir véhiculer des bonnes ondes. Mais il n'y a pas de... Carmen Danse n'est en froid avec personne, au contraire. Ici, on a eu des cas de gens, enfin, sur une prestation, par exemple, que Carmen Danse a eu, on a eu des cas de personnes qui étaient convoquées pour réaliser cette prestation-là. Puis deux jours avant l'événement, on s'est rendu compte que bon, les gars, ils allaient prester sous notre nom, puis ils allaient prester encore sous un autre nom, mais dans la même soirée, quoi. Donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a une certaine honnêteté en fait à avoir, il y a une certaine transparence qu'il faut indéniablement, et ça ce n'est pas seulement dans la danse, c'est dans tous les domaines. Les cours de salsa, de bachata, de kizomba, de capoeira, de hip-hop, de breakdance, de danse africaine, danse contemporaine, j'arrête ou je continue? Alors, le problème c'est quoi? C'est que quand vous venez, on vous demande d'abord c'est quoi votre objectif. C'est-à-dire que chacun, en venant danser, a des objectifs différents. Donc dans les objectifs, on a des danses sportives qui font maigrir, on a des danses purement détente, et on a même des danses qui stimulent l'intellectuel. On propose des cours de danse aux enfants, aux adultes, aux hommes et aux femmes. On propose également des prestations, c'est-à-dire que lorsque vous avez un événement privé ou d'envergure, on vient également proposer nos services pour les backstage des artistes. On propose en fait une formation sur mesure, hein, c'est-à-dire que toutes nos prestations vont dans la vision du client qu'on a. Je le vois grand, je le vois plein d'opportunités, et je le vois surtout dans la revalorisation de ceux qui exercent ce métier. Surtout parce que s'il n'y a pas cette base-là, on ne peut pas nourrir de grands rêves. Donc la base, c'est vraiment la revalorisation du métier. Et ensuite, on pourra faire carrément une industrie de la danse. Il y en a plein. Il y a plein de projets, mais on a des envies de s'étendre. Des envies de s'étendre. Déjà au niveau national et au niveau sous-régional.